Turquoise, tourmaline, quartz rutile, c'est l'amour des pierres qui a poussé cette ancienne avocate à se lancer dans la création de bijoux. Il y a 10 ans, elle a fondé sa propre marque. La pierre, elle va être un peu différente à chaque fois. Elle va être un petit peu différente. On ne recherche pas la perfection d'un diamant comme en haute joaillerie. On a une autre démarche. C'est aussi une fantaisie créative qu'on peut se permettre avec des matériaux différents. On a moins de contraintes. Ici, que des petites séries et une distribution volontairement confidentielle, exclusivement dans des boutiques de mode. Là, on a une pièce qui est entièrement brodée à la main, avec des fils de couleurs différentes. Ces bijoux, en argent ou en vermeil doré à leur fin, sont fabriqués de manière artisanale, principalement en France. Leur prix de vente oscille entre 60 et 700 euros. On peut être grand public, même en faisant pas un bijou industriel. Il y a une certaine poésie dans le travail qu'on développe, parce que chaque pièce va être, pas une pièce unique, mais en tout cas des petites séries, avec un travail manuel qui se ressent, qui se voit dans chaque pièce. Mais ce n'est pas dans ces boutiques que la plupart des Français achètent leurs bijoux. Ils privilégient les grandes surfaces ou les magasins implantés dans les centres commerciaux. En fait, je cherche des boucles d'oreilles pour une fille de 4 ans. En vitrine, des bijoux en or, en argent, avec ou sans diamant, à des prix accessibles. Avec plus de 350 magasins, Histoire d'Or est l'un des leaders du marché. On a une force de négociation extrêmement importante. Et oui, bien entendu, ça nous permet d'avoir des coûts d'achat sur les matières premières, donc les pierres, l'or et l'argent, qui sont très compétitifs par rapport peut-être à nos confrères. Ils amortissent aussi certains coûts de production, comme les frais de design, en déclinant un même modèle à différents prix. On va travailler sur le poids de la bague pour pouvoir proposer, en l'occurrence là, un prix à 590 euros. Mais en revanche, vous voyez que juste au-dessus, on a une bague qui va être plus cossue, qu'on est capable de proposer à 890 euros. Donc c'est pas tant le fait qu'elle soit plus fine ou plus épaisse, c'est qu'à un certain poids de métal, on est capable de proposer le prix qui nous semble le plus attractif et surtout accessible aux clients. Beaucoup de bijoux commercialisés sont fabriqués de manière semi-industrielle. Pour des raisons de sécurité, rares sont les entreprises qui acceptent d'ouvrir leurs portes. Nous avons pu visiter l'une d'entre elles, à condition de ne pas dire où elle se trouve. 11 500 mètres carrés dédiés aux bijoux. Ici, ils peuvent être réalisés de A à Z. L'usine sous-traite aussi pour des grandes maisons de luxe. Évidemment, leur nom reste secret. Les process sont pointus. Cette machine sert à fabriquer la chaîne. On part d'une bobine de fil et la machine vient tricoter, mettre en forme les mailles et resserrer les mailles les unes contre les autres et fabriquer une chaîne. Des machines qui peuvent tourner 24 heures sur 24 pour produire entre 2500 et 5000 mètres de chaîne. La fabrication des alliances en métaux précieux est également réalisée de manière industrielle. Nous mettons dans l'embarreur un brut qui correspond à peu près au produit que l'on va usiner. Une fois la machine lancée, une fois le programme passé, voilà ce que ça donne. Donc là, les outils diamants viennent usiner dans la masse pour donner au résultat final une alliance. Reste que la main de l'homme est irremplaçable pour certains types de soudures ou encore pour le polissage. Alors pour eux, la magie liée à la création d'un bijou demeure intacte. Les machines ne sont que le support pour fabriquer en grande quantité, on va dire, mais la main de l'homme est nécessaire et indispensable pour faire un bijou. Sans l'homme, on ne peut pas faire de bijou aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Grâce à ces outils de production performants, l'usine bientôt centenaire fabrique entre 3 et 4 millions de pièces par an. De quoi favoriser la démocratisation des bijoux.